Yeah, just forget the wins, it's the best to use. Won't you follow me into the jungle? Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Cette fois-ci, je vais vous présenter Battlefield Hardline sur PlayStation 4. On se retrouve bien entendu sur JVS pour ce jeu qui est édité par Electronic Arts, développé par Visceral Games, sorti officiel le 19 mars 2015 et Peggy nous le déconseille au moins de 18. Moyenne de 15 sur 20 sur Game Rankings. Bon, ben, ce jeu, on savait à quoi s'attendre avec l'alpha de l'E3 2013, déjà ça remonte. Puis en 2014, enfin on a pu tâter un petit peu, non même pas, qu'est-ce que je dis 2014, début d'année 2015, on avait pu tâter un petit peu de la bêta. Donc voilà, on savait déjà à quoi s'attendre. Mais bon, je vais scinder ma vidéo en deux parties pour vous dire un petit peu de quoi il en retourne. Je ne vais pas parler du solo, bon, je ferai une brève parenthèse dessus pour vous en parler, mais bon, on est là pour voir du online. Il s'agit d'un Battlefield bien entendu. Donc... ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu ce qu'il en retourne, voilà. Donc, vous pouvez voir les différents modes de jeu. On retrouve le fameux MME, le Conquête, en petit et grand, voilà, BF a écouté ses fans. Beaucoup de gens disaient que la Conquête était adaptée pour certaines maps et d'autres non. Par rapport aux 8 maps qui nous est proposé dans le jeu, eh bien, voilà, la Conquête pourra s'effectuer sur des cartes désignées par le jeu comme petites, ou plutôt comme grandes. Ainsi, les joueurs pourront s'y retrouver et faire la Conquête qui leur convient le mieux. Nous avons les modes du coup Contrat, Sauvetage et Argent Sale qui ont été rajoutés. La Poursuite Infernale que l'on a pu connaître dans la bêta. Et bien sûr, le Braquage, où est-ce qu'il faut que les terroristes volent deux sacs de billets et les amener à des points de, à des points de sauvetage. Ensuite, bon, les nouvelles maps sont présentes ici. Nous avons connu notamment, donc, tiens, je l'ai coché, celle-là aussi, voilà, ces deux-là. Le centre-ville qu'on avait connu dans l'alpha après l'E3 de la conférence d'Electronic Arts, avec la grue qui s'effondre, etc. Et puis le braquage de banque que nous avons connu précédemment il y a 2 mois avec la bêta. Les nouvelles maps nous sont proposées ici. Je vais... bien sûr, comme ma vidéo sera scindée en deux parties, voir si je peux avoir une partie sur les nouvelles maps, comme ça au moins ce sera un petit peu de nouveauté. Et du coup, on en parlera plus en détail. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Donc du coup, nous avons bon, bien sûr bon, mais les Battle Packs, ce que l'on adorait ouvrir pendant la bêta. Tiens, d'ailleurs, j'en ai un, allez hop là, on va faire un petit plaisir. Ouhou, un bonus. Dégaine rapide, forme graphique et un camouflage. Bon, comme vous aurez pu le voir, il y a 3 couleurs de Battle Pack, le bronze, argent et or. Inutile de vous dire qu'il y a des choses plus importantes dans l'or que dans le bronze, vous l'aurez compris. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le côté premium du jeu, toujours 49,99€ pour l'abonnement premium. Et sachez que vous aurez, du coup, alors, est-ce que c'est... il me semble que c'est dans mon agent... non, je ne sais plus où est-ce que c'est. Personnalisé... non, oh, bon, autant m'y attarder dessus. Nous avons donc, du coup, 4 catégories de camps. Donc, nous avons les gangsters, le SWAT, infiltré et voleur. Avec, donc, du coup, pour les infiltrés et le SWAT, les mêmes catégories d'armes. Puis pour les voleurs et les gangsters, exactement la même catégorie, c'est adapté en fonction des types de maps que vous choisissez. Donc, passons du côté des maps tout solides. Vous avez, donc je vais vous parler un petit peu des armes. Voilà le choix d'armes que vous pouvez avoir, il y en a légèrement plus que la bêta a pu vous montrer. Et puis, bien sûr ça ne s'arrête pas là, vous aurez d'autres armes qui seront débloquées en fonction de vos niveaux. Certaines armes s'achètent, d'autres sont débloquables aussi via les Battle Packs. M'étant abonné au Premium, j'ai reçu 2 Battle Packs Premium et j'ai pu débloquer la CWR, dont je n'ai pas eu à le payer. Et ça peut vous débloquer franchement des armes bien sympas. Donc c'est plutôt cool.
Au niveau ensuite des accessoires, donc vous choisirez bien sûr vos lunettes. Vous pourrez prendre des accessoires, donc du coup des pointeurs laser, par exemple, pour améliorer le contrôle, comme vous pouvez le voir. Ce que vous gagnez en bonus est affiché en vert et ce que vous perdez en malus en rouge sur les barres de progression bleues, sur les statistiques de votre arme. Des freins de bouche, vous pouvez avoir différents canons, bien entendu. Les poignées, pour personnaliser votre arme en fonction du type de gameplay que vous voulez. Et vous pouvez débloquer bien sûr le permis d'arme si l'arme vous plaît d'un côté, pour pouvoir la jouer de l'autre. Car oui, certaines armes, celles-ci peuvent être jouées, par exemple celle-là, et celle-ci peut être jouée des deux côtés, mais comme vous allez le voir là, en bas à gauche de la M16, cette arme est une arme de flic, comme vous pouvez le voir, donc seuls les flics peuvent la jouer. Si vous faites votre permis d'arme, c'est-à-dire que vous faites 1250 frags avec celle-ci, vous pouvez l'utiliser autant d'un côté que de l'autre. Donc l'arme peut être jouée dans les deux camps si vous expertisez dedans. Moi, étant plutôt opérateur, vous savez qu'il y a 4 classes qui vous sont proposées. Le mécanicien, l'exécuteur et le professionnel. Donc, respectivement, le donneur de munitions, Demolition Man avec le Space Gun, etc. Professionnel, qui est plutôt le sniper. Le mécanicien, qui est le réparateur, etc. Et l'opérateur, qui est le médic, en quelque sorte, voilà. Les armes au corps à corps, toujours aussi moultes et variées, qui demanderont une certaine rapidité pour pouvoir porter le coup. Oui, la masse, croyez-moi qu'après avoir appuyé sur R3, il faut bien attendre qu'il porte son coup pour pouvoir tuer la personne. Le skin du personnage en lui-même, bien entendu. Et ça, c'est bon, ce qui charge, c'est dommage que je ne puisse pas l'afficher. Ça, ce sont les points de réputation. C'est quand vous faites des séries de kills et que vous arrivez à un certain quota de points, ben, en fait, vous pouvez appuyer sur la touche R1 et choisir un petit bonus. Au niveau 1, vous pourrez choisir, par exemple, entre une escalade rapide et plus de munitions. Niveau 2, enfin voilà, vous voyez le type. Et niveau 4, en fait, il y a 4 niveaux de réputation. Et au niveau 4, vous pourrez choisir entre le switch d'arme rapide ou carrément le tour de passe-passe. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa. Je parlerai bien sûr de la grosse nouveauté du jeu, mais d'ici là, je vais pas m'attarder plus sur le menu. On va lancer une partie et je vous en parlerai plus en détail. A de suite. Allez, c'est parti. Bon, alors, que je vous parle déjà du gros point, la grosse nouveauté du jeu. Beaucoup de gens se sont plaints, avec dernièrement Battlefield 4, qui était trop lent, qui ne suivait pas assez, pas mal d'erreurs sur les clippings de textures, etc. Bon, en même temps, avec un BF3 puis suivi d'un BF4, on pouvait pas. Enfin, on se devait d'être critique sur la chose parce que BF3, on va pas se le cacher, est de loin le meilleur de la série, selon moi, et selon aussi l'avis de beaucoup de fans. C'est pour ça que on attendait Hardline un petit peu. Sur les talons, quoi, parce qu'en fait on se disait qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on nous réserve, etc. BF1 a voulu, avec l'aide de Visceral, et non cette fois-ci du coup de DICE, de mettre en avant du coup Hardline, qui est un jeu en fait, comment dire, beaucoup plus fluide, et pour moi je trouve que c'est un pari réussi, parce que moi ce que j'ai toujours reproché au BF, même au 3, c'était que le jeu était trop lent, les maps étaient très grandes, très vastes, le gameplay était très approprié, mais je trouvais que c'était un peu lent, étant plutôt côté des jeux d'arcade à la Call of que les Battlefield pour ma part, je trouvais que ça manquait d'une fluidité, enfin d'une rapidité de gameplay qui se trouvait vraiment absente à mes yeux. Et là, le gameplay a été revisité. La fluidité est sans pareil, c'est vraiment génial, une rapidité hors norme. Donc du coup, un nouveau système d'adaptation au jeu complètement différent. Donc du coup, ça va changer votre style de jeu, il va falloir vous adapter. Mais on garde, comme vous pouvez le voir, tout ce qui a fait de BF un jeu à succès. Il est magnifique, le ragdoll est le même. Ne parlons pas des graphismes, ça c'est toujours, niveau FPS, pour moi c'est le meilleur. Mais voilà, on se trouve avec une fluidité un petit peu plus à la jeu arcade à la Call of plutôt que les précédents BF. Et pour moi, je trouve que ceci est un mix parfait. C'est vraiment génial. On se retrouve avec un jeu où est-ce que, vous savez, dans les anciens BF avec le gameplay qui était tellement lent, si on avait la chance, je dis bien la chance, de se retrouver à 1v3,
Eh bien, on pouvait en tuer que un, voire deux dans le mieux des cas, et le troisième nous tuer. Avec ce gameplay, vous pouvez vous retrouver face à, je prends pour expérience personnelle, face à 5 joueurs, et j'ai réussi à flinguer les 5. Bon, ils étaient dans le dos, je me suis caché, etc. Les deux derniers m'ont vu, j'ai dû le faire en face-to-face, mais on arrive à jouer grâce à ce gameplay qui est beaucoup plus fluide. Si on a un skill qui est supérieur aux autres, c'est voilà, la bataille peut être remportée, et c'est ça que je trouve super, c'est que enfin le gunfight, voilà, on va se retrouver à, bon, bien sûr ça va perdre un petit peu du coup de réalisme, parce que certains disaient ouais mais bon, quand on a une supériorité numérique face à nous, c'est normal qu'on se fasse tuer, bien entendu, mais là c'est, on se rapproche plutôt maintenant d'un jeu vidéo, parce que faut pas, voilà, enfin je veux dire, je n'avais pas envie, moi, d'un certain côté, que BF devienne le jeu FPS simulation, comme pourrait l'indiquer America's Army ou Arma sur les jeux PC. Moi, voilà, je ne voulais surtout pas un simulateur de jeu de guerre. Je voulais vraiment le jeu vidéo overground par excellence, avec un petit peu plus d'arcade dans le sang. Et bien là, pour moi, Hardline est vraiment passé first top dans mon cœur pour mes Battlefield préférés. Franchement, je le trouve génial. Le panel d'armes est très agréable, très peu au début, mais on peut toujours en gagner avec l'expérience, avec l'argent, etc. Donc voilà, on est, l'argent que l'on remportera, par exemple pour s'acheter les armes, est tributaire de notre niveau de jeu. Donc si on joue mal, on aura plus de temps, on va galérer un petit peu plus pour s'acheter les armes. Donc du coup, voilà, ceux qui sont vraiment bons sont avantagés dans la règle, enfin voilà, vraiment dans, il n'y a pas un avantage quelconque pour les meilleurs joueurs. C'est juste parce que ben, là, on n'a pas eu à payer quoi que ce soit. Ça n'a pas été façon pay to. Oh mon dieu, je me suis fait dégommer. Oh merde, le space gun qui m'attend derrière la porte. Quoi. Enfin voilà, on n'est pas en mode pay to win pour avoir un certain avantage par rapport à l'équipe. Non, c'est parce qu'on a bien joué, bim, le jeu nous récompense. Et c'est ça que je trouve vraiment sympa. Non, franchement, c'est un bon point. Les cartes sont vraiment super. Là, je joue actuellement dans... c'est quoi? C'est la maison hydroponique, il me semble. C'est une carte que je trouve superbe. Certaines... Bon, après, il y a une carte dans les marais, je crois que c'est les Everglades, elle s'appelle la carte, moi je l'aime pas du tout. Mais bon, je pense qu'il y aura bientôt l'arrivée des serveurs, vous savez qu'on peut toujours se payer des serveurs pour mettre le type de jeu que l'on veut, etc., en étant notre propre hôte de la partie, etc. Donc si ça arrive sur Hardline, ça pourrait être sympa de mettre les cartes que l'on veut en mode 7-7-24-24, vous savez que dans BF3, quand les gens se louaient des serveurs, les meilleurs serveurs qui marchaient, ben, c'était le Opération Métro 7-7-24-24, tout le monde voulait cette map et ne jouait que ça. Toujours la même façon de jouer, d'un côté vous aurez les flics à jouer, puis ensuite les voleurs, et inversement si vous avez commencé dans l'équipe opposée, parce que ça se fait en deux manches. Mais non, franchement, on reste vraiment dans la patte Battlefield, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que j'ai dit que le gameplay était différent, enfin, le gameplay change parce que la fluidité est différente, mais le gameplay restera le même, vous dirigez les armes avec les touches qui sont vraiment, qui appartiennent aux mêmes actions que les précédents BF, donc ne vous en faites pas, vous ne serez pas désorienté. Oh merde! Putain, j'avais pas vu qu'il y avait une ouverture derrière. Oh putain. Alors ça, des fois, ça, c'est les bons côtés respawn derrière vous. Il n'y aura pas non plus, bien sûr, de spawn kill dans ce jeu, parce que là, je me rappelle encore de cette fâcheuse histoire qui m'était arrivée sur Battlefield Bad Company 2, le jeu du spawn kill. Dès que les ennemis étaient arrivés à votre spawn, non, ils prenaient pas, rien du tout, on faisait rien dans les modes ruées, etc. On pétait pas les caisses de lingots, tout ça. On attendait au spawn et on se faisait du ratio. Bon, là, vous êtes dans une zone safe, vous devez retourner à la zone de jeu jouable pour votre équipe, sinon, vous vous faites tuer par le jeu parce que vous êtes dans la hors-limite. Donc, vous avez une zone de réapparition propre pour vous. C'était pareil que BF4. Mais bon, voilà, ça y reste, donc c'est tant mieux. Toujours ce système d'escouade pour pouvoir respawn sur des alliés qui sont dans la carte et plus avancés que votre respawn de base. Donc ça y reste. Le mode de jeu que je fais, bon, ben, vous avez dû le connaître si vous avez joué à l'alpha et la bêta, c'est le bon vieux mode braquage qui est donc du coup la grosse nouveauté d'Hardline. Voilà, pourquoi j'ai fait ce mode de jeu? Parce que voilà, il est vraiment, c'est le mode le plus essentiel de ce jeu, qui, parmi les modes qu'il a à nous proposer. Et tout simplement parce que je trouve que c'est le meilleur mode de jeu auquel j'ai pu jouer depuis Battlefield. J'étais un grand fan de la ruée. Pour moi, c'était vraiment
impressionnant. Mais voilà, enfin. Là, le braquage pour moi passe first dans mes favoris, quoi. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment un jeu qui tient ses promesses. Il y a vraiment. Moi, je trouve pas grand chose à lui dire. Autant j'ai pu être assez critique sur BF4 dans un test lorsqu'il était sorti avec la PlayStation 4, donc ça remonte déjà. Jeu qui était sorti le 29 novembre 2013, avec la date de sortie de la PlayStation 4. J'avais beau être critique avec le 4 parce que face à un 3, ben, on pouvait se dire allez, il faut faire mieux et tout. Ben non, le 3 est surpassé quand même BF4. Mais là, Hardline est une nouvelle façon de voir les choses. Et croyez-moi, franchement, c'est pour les fans de BF, il faut quand même que vous puissiez le tester pour avoir votre avis. Parce que, ben, comme l'a toujours dit EA, ils écoutent la communauté et font en fonction de notre avis. Pour moi, ça restera quand même un pari réussi. Hardline est un jeu vraiment super. Le mode solo, je le trouve génial, super beau. Façon un petit peu New York Police Criminal, on présente les acteurs du jeu et tout, c'est vraiment sympa. Quand on quitte le jeu vous dira prochainement dans Hardline, vous allez voir quelques facettes du solo qui vous attend. Quand vous allez reprendre votre partie, il y aura écrit précédemment dans Hardline avec des moments de gameplay que vous avez fait pendant le solo, c'est vraiment génial. Je parle, la partie est déjà finie. Donc voilà, bon, et bien écoutez, sur ce... J'espère du coup que mon test de Hardline vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à ciao tout le monde !